Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stellaris avec la... je sais plus, mince, j'ai zappé le titre. C'est la collectivité au service de la galaxie, j'avais oublié mon premier mot. Ça commence bien. Alors, nouvelle tech. Là, je vais partir sur... Celui-là, ça fait longtemps qu'il attend, mais là, subvention agricole. Bon. Hop, ici, je dois bouger un bloqueur. C'est du monde technique. Pas grave. Continue. Et toi, tu vas continuer à patrouiller jusqu'à... Tiens, tu vas patrouiller jusqu'à Revac. Technology conceived. Nouvelle tech. Voyage sur trou de verre, on va prendre les lanceurs de plasma, tiens, ça permettra d'améliorer nos vaisseaux. Gouverneur est mort, bon, on va renommer un gouverneur, oui, bien évidemment. Déviance moins 25, je prends. Ah, nourriture, on est encore en train de rebaisser. Préparatif de guerre. Ah, bah. Alerte rouge. Il y en a qui sont plus proches que d'autres, hein. C'est la vitalité inhabituelle de cadavres couvrant la surface paraît être liée à leur capacité régénérative, même s'ils sont techniquement morts. Leur corps continue de se réassembler. Le système de Thunehort est inhabituellement riche en substances nutritives que l'on trouve le plus souvent dans les géantes gazeuses où passent peut-être ces créatures. Peut-être cela que. Peut-être, donc cela explique-t-il leur comportement particulier. Cette découverte, malgré tout, n'explique en rien pourquoi les corps semblent se mouvoir comme s'ils étaient animés par une seule âme et étendent leurs tentacules pour attraper une nouvelle carcasse tombant sur la planète. Espérons que d'autres fouilles permettront de livrer. Ouais. Nouvelle technologie, très bien, ça va un peu aider. On va prendre ça. Ce sera pas pour tout de suite, mais on pourra s'en servir plus tard et on pourra améliorer certains bâtiments. Hop. On se met en alerte rouge. Hein. Ah, je vais voir si je peux pas établir ici pacte défensif. Non, pas de pacte défensif. Avec toi. Non. Là, ça me paraît loin. Ah, ils sont plus en train de préparer une guerre. Très bien, résolution votée. Je sais pas ce qu'on a voté, mais ça a été voté. Ici, on va envoyer quelqu'un. Celui qui améliore avec nos alliés. Hein. C'est dans la famille maintenant. Et ici... Ah oui, c'est parce que j'ai pas fait de base. On reste comme ça. Et la cinquième, je vais la faire ici. Tunnel s'étendant sur face, les analyses chimiques ont confirmé que les murs étaient entièrement composés de tissus biologiques, dont la chair encore tiède et à peine décomposée malgré qu'elle
soit à peu près aussi âgé que l'Empire inconnu. Tout laisse donc penser que les cadavres ont été comme fusionnés, réformés et modifiés pour donner naissance à ce lieu. Ouh, plus 5. Attends. Bah oui, je prends un plus 5 sur une planète. Bien évidemment que je prends. Ici, déjà le niveau 3. Non, on va prendre un peu de cryptage. Et ici, je peux construire deux choses. C'est du scientifique. On produit de l'énergie, donc je vais faire un réseau énergétique. Et un peu de nourriture encore. Ou alors... usine de traitement de données. Voilà, ça me paraît bien. Après avoir dressé la carte du gigantesque réseau de tunnels, les drones de recherche ont réalisé l'ensemble qui ressemblait à une structure vasculaire de Tianqi. À une différence notable, c'est une échelle d'un monde. Les murs palpitants dégagent une douce tiédeur. La température s'accroissant progressivement à mesure que l'expédition approche du noyau de la planète où les capteurs ont prélevé un faible signal de vie. Ben en fait, il faut un Tianqi géant là. Alors déjà, on va améliorer. Venir y faire ça. Et de l'énergie. Et de la nourriture. Et là, il y a peut-être une planète à aller coloniser après. Très bien, on va lancer l'étude. Ensuite, nouvelle recherche. On va passer sur... tiens, on va peut-être prendre... ah, je vais prendre ça. Session du Sénat pour facilité régulatoire. Je suis pour. Ok. Et on est reparti. On va recruter un scientifique. Alors, on va mettre celui qui est pas bon ici. Oui. Et celui qui a du coup a perdu ici, non. Ici, on va mettre celui qui est bon pour les trucs archéologiques. Une artificielle, bon, logique, classique. Fox. Origine des fougeurs. Ah, là, il faut que j'étudie X trucs de... ici. Alors, tu vas faire ça. Non, on commence par les trois projets de recherche les plus loin. Et après, on verra. Ici, hop, journal. Alors ici, j'ai quoi? Acceptation diplomatique plus 5. Limite de confiance plus 50. Je vais commencer par ça. Former le conseil, je soutiens. Nouvelle recherche. Laser UV. Alors, plus d'évitement ou... non, je vais prendre plus d'évitement, c'est très bien. Ouah, la puissance de reflotte. On serait plus fort, mais ils ont quand même une belle flotte, quoi. Heureusement, bientôt, on aura les croiseurs. Ça devrait les calmer un peu.
C'est 4. Il faudra peut-être doubler tout ça. Et donc, il faudrait doubler ma capacité. On va mettre tout le panneau solaire. Et en construction, je peux pas mettre ça parce que j'ai pas d'ancrage. Dommage. Dans une vaste chambre souterraine, un Tianqi est dressé debout, sa tête en forme de clou. De cloche balançant légèrement, les tentacules maigres s'étendant sur le sol jusqu'aux parois. Il ressemble à une sorte d'unité de commandement contrôlant et dirigeant la croissance de ce charnier de la taille d'une planète. Les scientifiques sont incapables de déterminer quelle sorte de créature naîtra de cette œuvre sinistre, ou lorsqu'elle s'éveillera. Mais une chose est certaine, ce sera beaucoup beaucoup plus grand et terrible qu'un Tianqi ordinaire. Soit. Non, je vais la surveiller. Mais si t'as ça, normalement on peut revenir ici. On a rien à faire. Fini un site, YOLO. Nouvelle recherche, très bien. Je vais pouvoir me focaliser là-dessus. Les habitats, ce serait bien. Ou alors les forteresses. Je vais prendre les DCA. Alors, gestionnaire de flotte. Non, concepteur de vaisseau d'abord. En corvette, j'y touche pas. Frégate. Frégate. C'est quoi frégate? C'est nouveau ça frégate. Bon on va. Frégate c'est du. Ok, frégate c'est lance-torpille. On va mettre l'impulseur. Et on va le sauvegarder. Oui. Si on pourra mettre quelques frégates. Et croiseur. Allez, on va commencer par le croiseur progéniteur là. Du large devant, 3 médiums et 2 small derrière. Les small, on va mettre quoi? On va mettre. Non, le large, on commence. Un lanceur de plasma sur le large. Ensuite, ici, mettre 2 canons électriques et un laser bleu. Et là, je vais mettre un siphon et un disrupteur. Et là, ça va être simple, c'est une, deux, deux. Et là, c'est simple aussi. On a pour le moment que de l'impulseur. Donc, on met 3 impulseurs. Alors, ici. Torpilleur, non. Cadence de tir. Chance de toucher. Portée des armes. Ou portée d'engagement. Chance de toucher, ça me paraît bien. Et ça, c'est supervision. Ok. Sauvegarder. Ensuite, on va passer sur le croiseur. Celui-ci. Très bien, on va mettre 2 disrupteurs devant. À l'arrière, on va mettre un lanceur. Ici, une, deux, trois. Très bien. On rajoute ça et ça. Sauvegarder. Et on a, il m'en faut un autre croiseur. Alors, croiseur avec ici du lance-missile. Ici, le hangar. Non, là je vais mettre aussi du lance-missile. Une torpille. Disrupteur. Disrupteur devant. Ici, du siphon d'énergie. Et à l'arrière, des missiles. Hop. Ici, une, deux, trois. Améliorer automatiquement. On change le nom. Sauvegarder. Et un troisième croiseur. Un troisième croiseur, on va mettre du large, un hangar et du médium. En large, on va mettre un lanceur de plasma et en médium, on va mettre un canon électrique. Ici, un anti-missile, un anti-vaisseau et là, une escadrille de reconnaissance. Et ensuite, deux renforts, des boucliers et pour le moment, deux impulseurs. On change le nom, sauvegarder. Très bien. Alors, dans mes gestionnaires de flotte, je vais venir ajouter un modèle, ça va être le croiseur progéniteur. Je ne peux pas. Ah non, je peux plus mettre de croiseur progéniteur. Je vais retirer la corvette progéniteur. Si je peux mettre un croiseur.
peux pas mettre de croiseur. Et si je retire la... Si je retire celle-ci. Là, je peux. Très bien. Ça va retirer la corvette congénitaire et le destroyer congénitaire. On va ajouter un croiseur progéniteur. Et on va ajouter. Actuellement, on a droit à. On sera à 62. Donc, je peux augmenter de 10. Je vais mettre des frégates. 3, 4, 5. 5 frégates. Ajouter. Hop. Et hop. Très bien. Un croiseur, des frégates, vaisseau de construction. Tu as fini tout ton travail? Non, t'as pas fini ton travail. Si, apparemment, si. Donc maintenant, ton travail suivant, ça va être de continuer à coloniser et à t'étendre. Donc je vais partir ici parce qu'il y a une planète. Ici, on manque de travail. Qu'est-ce qui est le plus critique? Ça va être la nourriture. Et là, on va voir qu'on monte à combien avec. Avec tout ce qu'on a fabriqué. Alors, est-ce que je peux? Bah oui, je vais le faire. Ici, on a un leader qui est mort. Ça, c'est quoi? Des enquêtes sur les anomalies. C'était lequel? C'est toi qui étudiais ça? Projet. Ah, je peux pas lancer d'autres projets. Ok. Ici, c'est encore un scientifique qui est mort. Oui, mais c'est celui qui faisait rien, c'est vrai. On va prendre vitesse de recherche plus 5. Il va continuer à assister la recherche. Alors, nouvelle recherche. Oh, nickel. Parfait. Centre scientifique. Non, en plus de production d'énergie. Tac. Wow, on est passé à 4 et 5 000. Pas mal. Pour nous offrir 1 000 de nourriture pour 500 de minéraux. Non, cela ne nous intéresse pas pour celle-ci. Hop. Félicitations, donc tu vas pouvoir construire. Et là, on va coloniser. Nous nos arti vos articles. Un vaisseau scientifique. Cela ne nous intéresse pas. Non, c'est quoi ce marchand? Ah, on a l'origine des fougères. Ok. Ici, un nouveau. On va mettre lui. Toi ici, tu ne fais rien, mais il y a un vaisseau scientifique qui n'a plus personne. Et là, on va recruter celui qui fait chance de découvrir des anomalies plus 5. Et toi ici, t'as fini. Tu vas venir. Connaître dans ce secteur. Très bien. Et dans les édits, on peut monter à 105, mais pour le moment, on reste en subvention à la recherche. Yes, nouveau niveau fédéral. On a quoi? Contribution, on s'en fout, on le fait pas. Pénalité de cohésion, moins 50. Oh, bien. Émissaire disponible, plus 1 pour tout le monde. Eh ben, je vais le mettre. Affecter un émissaire ici. Et ensuite, je dois affecter un émissaire. Affecter avec eux. Donc, si je viens voir toi, par exemple, tu veux pas rentrer dans la fédération? Non. Si je viens te voir toi ici, toujours pas dans la fédération? Pas grave. Oui, on va accepter. Tiens, toi, en plus. Fédération, tu peux pas? Non, mais je veux savoir si t'es dans une fédération. Apparemment, non.
Ok, t'as fait ici. Est-ce qu'on n'irait pas faire... Il n'y a pas vraiment d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, donc tu vas me faire... Hop. Ici. Ici. Tu me les fais tous et ensuite on viendra. Hop, ici. What? Pourquoi deux? Deux vaisseaux. On peut t'améliorer, mais un seul c'est suffisant. Ok, nouvelle recherche. Plus de capacité navale serait intéressante. Mais modification génétique est cool aussi. Et ici, ils gardent leur flotte ici. Dès qu'ils voient que je me barre, je vais tenter, tiens. Il faut que je trouve le moyen d'augmenter ça. Des ruines. Et une ancienne ressource. Ok. We sense spaceborne life. Est-ce qu'elle est déjà partie? Vaisseau We sense colonial est spaceborne parti. life. Ici, on a abrogation. Je me pose. Plusieurs artefacts mineurs. Ok. C'est combien? C'est 15 000. Ouais, je suis encore loin. Parce qu'on pourrait pas. On peut en acheter combien? On peut en acheter que par 2 500 et ça coûte une blinde. Technology conceived. C'est quoi comme tech? Ouais, pas hyper utile pour le moment. On peut attendre. On va partir sur amélioration. We have claimed a new nest. Sénat, former le Conseil Galactique. Hop, ici, est-ce qu'il y en a qui ont... Non, pas fini de travailler. Progéniture. Ah, ici, on a colonisé. Ben, il n'y a pas progéniture, mais on peut pas construire, donc... Nouvelle présidence fédérale. Ok, changement. Sanctuaire naturel, je soutiens. We have surveyed the system. Exiger la suggestion, il serait contre. Aucune guerre. Guerre de dépendance, toutes. Nombre de possessions, 4. 0. Capteur intégré. Capteur intégré. Expansion autorisée. Vote restreint. Indépendance. Ouais. Même ça, il est à moins 100. Intégration possible. Non, il veut vraiment pas. Dommage. Dommage, j'aurais bien aimé. J'y croyais pas du tout. Ici. Centralisation fédérale. Oh, je vote oui, bien évidemment. Ça va un peu bouger les trucs, même pas. Donc. La loi, centralisation fédérale. Ok, ici, acceptation des membres, traité séparé. Non, ça en garde. Déclaration de guerre. N'y touche pas. Durée de présidence, on n'y touche pas. Nomination. Contribution à la flotte fédérale. Non, pour le moment, c'est bien. Et on a bien avancé, on avance petit à petit, mais on avance bien. Donc on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.